J'ai décidé de travailler sur l'Australie, en fait, qui est actuellement en crise d'identité nationale. Donc sur le drapeau australien, actuellement, il y a le Union Jack qui prend un quart de sa composition. C'est un débat qui dure depuis quelques années, mais il n'y a pas encore la majorité. Pour sensibiliser justement les gens à faire ce grand pas, ce serait de changer déjà la monnaie, qui a beaucoup de codes britanniques, c'est-à-dire la reine d'Angleterre qui est très présente sur toutes les pièces de monnaie et sur les billets. Donc ce serait pour changer ça avec les vrais, en communiquant les vraies valeurs du pays, c'est-à-dire la flore et la faune, les paysages, quelque chose pour assumer vraiment une vraie identité forte.